could you turn your face away? Those terrifying red eyes. Why don't you leave me alone? How long are you going to torture me? I want to leave you alone, but I can't. Since long ago, when I was a young captain, I couldn't be awake while sailors were asleep. Come on, get up, get out of bed. Don't you have a few days off from work? Go play a little at least. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose un test complet, sans spoiler, de Memoranda, qui est un jeu développé et édité par BitBiters et Carbon Fire Studio. Carbon Fire Studio qui m'ont gentiment envoyé un code pour télécharger le jeu en version Xbox One. Le jeu est également disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et sur PC. Alors Memoranda, c'est un point and click, tout ce qu'il y a de plus classique en 2D. Donc vous allez avoir des décors très très jolis à explorer avec votre personnage principal. C'est un monde onirique inspiré des écrits d'une romancière que je ne connais pas du tout. Et du coup, on joue un personnage, donc cette jeune fille, qui a divorcé et qui ne se rappelle plus de son nom. Donc on va partir à la quête de son nom, essayer de retrouver son nom, son identité et donc ses souvenirs. Pour ça, rien de plus simple, le jeu se déroule comme un point and click classique. Vous allez bouger le curseur directement avec le stick de la manette et vous pourrez cliquer aux différents endroits visibles sur l'écran. Évidemment, le jeu est très très bien adapté à la manette Xbox One, donc vous allez directement en cliquant sur les gâchettes, vous pourrez avoir tous les objets utilisables à l'écran, ce qui est très pratique parce que les écrans, en plus d'être très jolis, il y a une patte artistique qui est vraiment très très réussie, regorge de détails, donc voilà, c'est important de pouvoir voir immédiatement où on peut cliquer ou pas. Vous allez ramasser pas mal d'objets, des objets que vous allez pouvoir cumuler dans l'inventaire qui est accessible assez rapidement. Avec la touche X également, on a directement accès à la carte où on pourra faire des déplacements rapides avec les différents lieux qu'on va trouver. Tout se passe dans une petite ville, un petit village. Vous allez à chaque fois débloquer de nouveaux lieux, des nouveaux magasins, des nouveaux pavillons quand vous parlerez à des PNJ. La carte semble petite vue comme ça, mais les lieux d'intérêt sont assez nombreux et comme l'aventure est courte, finalement on découvre beaucoup d'endroits, donc il y a quand même beaucoup d'écrans et de plateaux différents, ce qui évite de faire trop d'allers-retours notamment. No way. I waited under that tree for hours. I was dizzy for a cat can disappear in a blink of an eye, especially my cat wasn't like that. He'd never go more than I walk these streets a lot. That would be so kind of you. En plus de ça, vous avez ce qu'on appelle le Memoranda, donc ce qui est en fait son pense-bête, ça fait penser un peu à Memento, sauf que là, au lieu de se tatouer sur le corps, elle écrit sur des post-it qu'elle appelle, elle, des Memoranda, et donc du coup, vous allez avoir ce petit carnet qui va à chaque fois vous donner les tâches à faire dans l'aventure et qui sera gribouillé à chaque fois que vous réussirez une tâche. C'est aussi quelque chose qui est très bien foutu, parce qu'on y accède facilement en appuyant juste sur Y, et ça permet de ne pas se perdre du tout dans l'aventure et de savoir, quand on est un petit peu bloqué par des énigmes un peu plus difficiles, de revenir facilement à l'action. Moi, sinon, j'ai beaucoup aimé le jeu. C'est très court, en fait, c'est un point and click. C'est pas le meilleur point and click qu'on a vu ces dernières années, mais il est vraiment très sympa. Déjà, c'est traduit en français, donc Carbon Fire Studio est un studio français d'ailleurs, pour la petite anecdote. Même si les doublages sont en anglais intégral, mais vraiment très réussi à ce niveau-là, les doublages sont très bien joués. Le tout est sous-titré en français de très bonne qualité, donc il n'y aura aucun problème pour progresser. Au niveau des énigmes, on est au niveau de point and click, comme je l'ai dit, c'est un monde assez onirique, donc on va parler à des hommes éléphants, des hommes canards, il va y avoir pas mal de choses comme ça, donc évidemment, il y a certaines énigmes qui sont un peu tordues, sans spoiler, parce que c'est un test sans spoiler. Demander à quelqu'un de tailler une signature dans une pomme de terre pour ensuite plonger cette pomme de terre dans l'huile pour pouvoir faire un tampon qui imite la signature de quelqu'un pour pouvoir utiliser cette carte-là et récupérer une fiole, c'est quand même très tiré par les cheveux et c'est là, quelquefois, vous allez un peu tourner en rond, donc n'hésitez pas à tâtonner en essayant des choses un peu originales. Wow, so those are the frequencies. Oh, hey. Why are you going up? À côté de ça, on a quelques énigmes aussi. Elles sont assez simples et logiques, donc on reste pas trop bloqué dessus. Mais au pire, si vous êtes bloqué, il y a un petit système d'indices avec des post-it aussi que vous pouvez débloquer. Donc voilà, si vous galérez un petit peu, vous pouvez utiliser ces indices-là pour avancer plus vite. Why doesn't anyone who understands music ever end up here? Pour le reste, l'aventure en elle-même est pas très longue, donc moi j'ai compté 3 heures pour le finir, sachant que j'ai bloqué un petit peu, donc vraiment, si vous êtes une bête de course, je pense que vous pouvez le finir en 2h30. Donc voilà, c'était mon test de Memoranda, point and click très sympa, c'est pas un must du genre, c'est sûr, mais c'est un titre qui ravira vraiment les fans de point and click, si vous aimez les jeux comme Darkestville Castle ou le dernier Lesser Suit Larry. Moi j'aime toujours les point and click 2D, et celui-là m'a fait vraiment très plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner,
Laissez un commentaire si vous avez aimé la vidéo pour donner votre avis sur le jeu ou sur d'autres. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Longue vie à tous. Salut. Let me see what film Mr. Spaghetti gave to the little girl. She probably had no way of actually watching it.